Salut les amis, comment ça va? Bon, pour ceux qui n'avaient pas du tout suivi, les gars, on avait recruté en cours de saison Ettinga, Schweinsteiger, Messi, Ben Arfa et Babel. Donc là, le but, ça va être encore de se renforcer avec au moins 4-5 joueurs avant la saison prochaine. Et j'avais ajouté à la liste des joueurs, les gars. En vrai, les gars, Mathieu, je pense qu'il nous le faudrait. 432, tu vois ses stats et tout, lui il peut nous servir de fou. Je sais pas ce que vous en pensez, il a des bêtes de stats, il a que 21 ans, donc il va progresser grave. Je pense que Mathieu, ça peut être une vraie bonne idée. Lui les gars, il a 21 ans, il a des bêtes, il a 20 ans, il a des bêtes de stats et il a que 513. En attaquant, regardez la vitesse et l'agilité, le dribble et tout les gars. Qu'est-ce qu'on en pense lui? Et il est à l'Ajax les gars, mais l'Ajax ils sont montés. Du coup c'est peut-être plus dur à récupérer maintenant. Ah c'est Moutou! Ah oui, ça doit être Moutou. Que moi, Moutou, je pensais Juve. Ah ouais, c'est Moutou. Putain, mais j'avais même pas reconnu. Eh bah, lui, on va tenter un échange. Attends, il vaut 513. Putain, les gars, c'est White Phillips aussi que j'aurais voulu. Pareil, j'ai pas les thunes. Il y a Clichy, 472. C'est pas mal. Il y a Maxwell. En vrai, ouais, faut revoir tout à la baisse. Hein. Et Green, les gars, en gardien, 404. On en pense quoi? Quel âge il a, là? 25 piges. Gardien, c'est pas urgent, hein. Vas-y, je vais mettre à continuer juste pour voir les deux premiers trucs, mais ça passera pas. Après, on va se remettre sur d'autres joueurs. Ça s'est fait, Moutou. Mais pourquoi les autres? Ah, ça a prolongé automatiquement d'autres joueurs. Moutou, ça s'est fait, les gars. Incroyable, en vrai. Ah non? Mais pourquoi je peux pas valider? Ah si. Moutou, c'est propre de fou. Hein. Je pensais pas qu'on arriverait à le faire. Hein. Ah lui, il va nous faire du bien de fou. Ah, c'est pas Moutou au final. Bah putain, vous m'avez dit de la merde. Pour moi, Moutou, il était à la Juve. Mais au moins, il a des bonnes stats. Va nous servir. Tiens les gars, Lisandro, il me fait de l'œil à 450, non? Il a que 22 piges. Les attaquants, on sait à quel point c'est important avec des flèches et tout. On va essayer. Ah, il a pas de club. Ah putain, à chaque fois, c'est pour ça, à chaque fois je veux le faire, je me fais toujours niquer. Varmus, putain. Je me fais toujours niquer pareil. À chaque fois je veux le faire et je me rends compte qu'il a pas de club. Toujours la même clim. Mais zéro en transfert. Mais ça passera pas. En fait, c'est comme une prime à la signature dans le jeu, je pense, en fait. Considéré comme ça, en fait. Ah putain, l'âme, pourquoi c'était pas passé? On avait essayé l'âme. C'est juste qu'il était au Bayern, il voulait pas. Et Mathieu, les gars, c'était quoi le problème? Ah oui, c'est qu'il a pas de club. Mathieu, en vrai, c'est ultime, putain. Attends, l'âme, je vais réessayer, mais bon. Mais les gars, Maxwell, je devrais le tenter, non? Maxwell, il vaut que dalle. Au moins, il a des petites stats. Il a un club. Je vais tenter Maxwell. Parce que vu qu'il vaut pas cher, lui, pour le coup, c'est jouable. Park, il est encore à 3. C'est lui qu'il nous faut, les gars. Park. Il vaut que dalle. On est obligé de pouvoir le récupérer, non? Putain, lui, faut qu'on le récupère. Laisse tomber, il changerait tellement de choses. Les stats qu'il a, il vaut pas grand chose. Il a 24 piges. Et Piqué, les gars, j'ai envie de tenter aussi, non? On va tenter aussi Piqué. Bon, vas-y, on va mettre à continuer déjà. De toute façon, il n'y en a aucun qui va se faire. Putain, pourquoi c'est dur comme ça? Bon, là, mais tout, ok, Park, c'est Park, quoi. J'ai l'impression. C'est dommage qu'il n'y a pas une raison, quoi. Bon, la raison, c'est qu'il faut passer à la caisse, mais c'est dommage. Putain, il y a Toulalan. Ma parole, je vais prendre Toulalan. Comment ça, il est au PSV? Toulalan, 424, les gars, mon crack. Affelai, 19 piges, 330. Peut jouer 4 postes. Les gars, Affelai. Ça peut progresser, ce sera pas ouf, mais ça peut progresser, c'est pas cher. Peut-être faire un échange, voir contre un vieux joueur, parce que vu que là, c'est vraiment pas cher. Et putain, Ribéry, les gars, il est qu'à 500. Putain, quelle erreur, c'était lui qu'il fallait tenter direct. Pourquoi on n'y a pas pensé? Putain, Ribéry, ça s'est fait, alors qu'on a baissé de ouf, c'est beau. Bon, Park toujours pas, mais au moins, Toulalan, Ribéry, bien de fou. Je pensais pas que j'en ferais deux, et Ribéry, je pensais pas que ça passerait. Au moins, on a des bons attaquants, c'est bien. Ah ouais, Ribéry, je l'ai pour pas cher. L'attaque, on commence à être pas mal. Et on a pris Toulalan, qui est bien aussi. Maintenant, c'est Park pour le prix. Pour moi, lui, il faut absolument réussir à le récupérer d'une manière ou d'une autre. Et derrière, hein. Vas-y, DC, vous dites Alex, alors. C'est vrai qu'il avait des stats pas mal. Il coûtait 500. Et il avait quel âge? C'était pas 22 en plus? Ouais, 23. En vrai, Alex, solide. Vas-y, go, on va tenter. Il est au Bayern, Mathieu, 430. S'il vient de signer, tu peux plus l'avoir, les gars. Oh là là, mais lui, c'est cadeau, lui. Oh, le Bayern, ils l'ont signé pour juste que je puisse leur voler derrière. Putain, c'est trop dur, là. J'en ai marre. Je vais retenter Mathieu. En vrai, je préfère tenter Mathieu que Clichy, je pense. Eh, vas-y, je vais tout envoyer sur Park. Hein. Je retente Clichy. Il me faut Clichy ou Mathieu, je pense. Mais attends, c'est un DC 90 défense, 90 équilibre, côté Sophie 87, vitesse 89, Axel. C'est lui qu'il nous faut. Il a 27 piges. C'est sur lui qu'il faut envoyer, les gars. Andrat, c'est trop ses stats. Personne, on peut rien faire, là. On se prend que des clims. Non. J'en peux plus, là. On galère, y'a rien qui se fait. On tente Alex, les gars, ou Andrade? En vrai, Andrade, ça va être trop cher, les gars. Mais non, mais... Je pense à Andrade, les gars, c'est irréaliste. Lui, il y a une chance si on en voit un peu. Park ou Mathieu? Park? On verra si on est sur la paille. On est sur la paille, c'est notre destin. Bon, là, on a tenté 3 coups en espérant qu'il y en ait minimum un qui passe. Maintenant, les gars, il nous faut 2 trucs safe. En échange, chèque des joueurs et éclaté contre des joueurs qui pourront, quoi qu'il arrive, seront meilleurs que nos joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Les
joueurs libres, mais les joueurs libres, faut payer un salaire. Genre lui, tu vois, des gaines. Les gars, Rosenal, il vaut combien? Ouais, il vaut 486, ça va être compliqué. Hein. Mais c'est, on n'est pas respecté, putain. Oh, le zéro, mon vieux, il a eu 0 sur 20. Oh là là. Attends, là, on commence direct, là. Putain, on joue Marseille, les gars, pour commencer. On a eu le meilleur tirage pour débuter. Allez, c'est ceux qui nous ont réussi le mieux. Là, on est content, on a des nouveaux joueurs, on va prendre une clim directe. Oh, le contrôle. J'ai tiré direct, j'ai hésité à décaler Ribéry, mais j'ai tiré direct. Allume! Oh la vieille frappe, putain, on aurait dit un centre. Tu vois que l'équipe, elle est un peu meilleure quand même devant. Là, ça se sent. Non. Non. J'appuie sur la passe, hein. Il veut... Là aussi, putain, donne-la. Mais il la laisse pas passer, la balle. Et il veut me rendre... Ils veulent me rendre fou. Hein. L'autre, il la laisse passer, j'appuie deux fois sur la passe. Oula. Oh là là, oh bah c'est but, il est seul. Short le goal, mais... Putain, je m'en sors bien. Sorti le goal, j'ai tenté. Oh là 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 là. Le début de match, il était bien, je jouais bien. Là, j'arrive plus à rien. Allez. Ribéry. Non. Vas-y, Ribéry. Il est où? Il est pas là. Là, s'il apprend, j'aurais peut-être pu tenter une passe sur Babel, mais je suis pas pareil. Des fois, quand tu mets la direction derrière toi, que tu veux te retourner trop vite, il laisse passer la balle. Allez. T'as Ben Arfa, j'étais à deux doigts de tenter la frappe, j'aurais peut-être dû. J'ai appuyé à peine, hein. J'ai voulu allumer direct, hein. Il a mis un drop. Pourtant j'ai appuyé à peine. Hein. Pourtant j'ai des... Pourquoi je tire pas direct? Mais je m'y attendais pas. Pourquoi j'ai pas tiré direct? J'avais peur de mettre un drop, mais je m'y attendais tellement pas. Alors, franchement je suis dégoûté, il y avait moyen de gagner, j'ai déconné là. Bon moi on perd pas, mais ça c'était un match bon à prendre. En plus Marseille, on sait qu'ils sont pas ouf. Je crois qu'on commence avec la Lazio et Marseille. C'était les deux clubs qui m'ont le mieux réussi, je crois, la saison passée, non? Ah, la Lazio, je crois ils avaient une compo bizarre, non? Non! Mais t'es gaucher, utilise ton pied gauche! Je m'étais retourné et tout, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il était gêné un peu, pourquoi il met un pointard? On a recruté devant pour marquer des buts, c'est derrière pour le moment, on prend pas trop de buts, mais on met pas un pion. Oh, je suis mort. Oh, l'action était tellement bien jouée, je croyais que ça allait la redonner à l'autre dans l'axe et c'était fini. Hein. Mais faire plus de 4 victoires, ça... là, mais ici, il a un peu d'espace pour une fois. Ça a failli passer. Hein. Je croyais que Babel, il allait la prendre. Ça aurait été sale, mais à un moment, je me suis dit, ça peut peut-être passer. C'est là où, à chaque fois, je manque de solutions. Ils sont à 15 pour 1. Putain. Et dès que t'arrives dans la surface, il y a deux mecs qui viennent des deux côtés. T'as pas le temps. Putain, j'y ai cru. T'as Ribéry, ça s'envole tout le temps. Il a une qualité de frappe dégueulasse. Dès que t'es en bonne position, j'appuie à peine. Hein. Franchement, j'appuie à peine, mais ça part, mais tellement loin. J'ai tenté, j'étais dans une position compliquée, mais j'ai tenté. Hein. Sur les deux matchs, j'ai plus d'occasions, c'est terrible. Hein. En fait, ce qui est dommage, c'est que si tu prends l'ensemble des deux matchs, vas-y, 4 points, allez, je dois me retrouver avec au moins 4 points. Bon, au moins, on perd pas, quoi, mais il va falloir gagner à un moment donné, sinon on sera déjà trop largué au classement. Mitter en pointe, ouais, j'ai testé sur la fin de match. Mais après, normalement, il a le poste... Ouais, si, il peut, mais c'est plus pour les autres. Après, sur le côté, je pense, mon ailier droit le plus important. Parce que c'est celui où on peut faire les différences, etc., ce qui bouffe la ligne. Donc Mitea, j'ai l'impression, c'est le meilleur pour ça. C'est pour ça que j'ai envie de le forcer sur lui, là.
Mitea, on tente. Ah! Voilà, lui au moins, comment il galope de fou. Lui, tu peux garder des ballons et tout. Ah ouais, lui est trop fort. C'est mon meilleur joueur, c'est lui. Putain, je la voyais dedans. J'ai voulu tirer à droite en enroulé, mais j'ai l'impression qu'elle était rentrée, genre premier poteau. Franchement, il la touche, non? Quatre heures pour tirer. Au début, il a tiré, il a cancel sa frappe. Je sais pas si vous avez vu, ça a fait le move, il a cancel, je sais pas pourquoi. Oh là là, putain, pour une fois, même encore, on marquera jamais. Non, t'étais sur ton bon pied et tout. J'ai enroulé, il a tapé, oh là là. Mais elle est contrée la frappe, mais Ribéry il sait pas tirer, il fait que des frappes de merde. J'arrive à les trouver là dans la surface, mais c'est derrière, je sais pas comment finaliser. Puis il y a toujours le contrôle de balle qui est dégueulasse, pourtant j'accélère pas. Hein. Mais il y a Peno, il me balaye! Avant de tirer, mais non! Je vais tout casser, je peux pas marquer. Là par contre c'est chaud là. Tant heureusement que je la compte, mais ça leur reste dessus. Oh, je vais tout casser, c'est quoi ce but de merde? Il est dégueulasse, c'est quoi cette tête? Elle est trop dure à mettre, mais l'autre il est en dehors de la surface. Putain, le match que je surdomine le plus, putain. Ah franchement c'est horrible. Rideau quoi. Alors là ce but il est là pour m'abattre, rien d'autre. Putain, je sais même pas comment elle rentre. Je tire hein, j'ai tiré mais bon, on a mis un but. Allez. Putain, elle était pas facile hein, parce qu'il est trois quarts. Regardez comment il la rabat, c'est incroyable. J'y croyais pas celle-là, hein. C'est celle auquel je croyais le moins, mais j'ai quand même tiré. Il la met, c'est incroyable comment il la met. Non, il avait résisté tout. Non. Ah franchement, je suis tellement dégoûté. C'est limite le meilleur match que j'ai fait depuis le début et j'ai trouvé le moyen de pas le gagner. C'est le but, on doit jamais le prendre. Ils ont rien fait du match, la tête c'est lunaire. Quand on fait 3 matchs nuls, on mériterait 7 points quoi. Et ça va continuer comme ça. Oh voilà, PSV c'est rideau. PSV à mon avis ça va être très fort. Ils ont une équipe de tarés eux. C'est but. J'arrivais pas à appeler mon joueur, j'ai vu j'étais pas dessus, c'est un miracle qui rate. Là je m'en sors bien. Ok, excuse-nous. Putain, ça passe. Oh, Farfan, oh Farfan, c'est trop. Ce qui m'a mis, heureusement que j'ai sorti le goal direct, mais ce qui m'a mis, c'était quelque chose. Hein. Il lui a mis dans le dos la passe. Je dois m'avancer, mais j'étais tellement bien placé sur son bon pied. Oh là 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 là, non mais j'ai pas de chance. En vrai les gars là je suis trop bien placé, c'est que les joueurs en finition ils sont pas ouf, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer dans ce putain de jeu? Imaginez on fait toute la saison que des nuls, c'est pas impossible hein. Ça va peut-être être mon palmarès cette saison. Aïe aïe aïe, là par contre c'est chaud. Ils ont quand même eu 2-3 grosses occasions aussi. Hein. Oula. Oula. Oh, dommage. Ok, il me fait des passes. Là, on apprécie. Comment il vient contrer cette passe, le jeu, sérieux. Bon bah c'est comme ça hein. On a eu encore
au moins 4 grosses situations. Hein. Ouais, voilà, tous mes tirs, c'est des situations, mais eux, pareil, en vrai. Là, pour moi, c'est le seul match où le nul, vas-y, il est un peu logique, parce qu'ils ont eu des grosses occasions. Voir, les premiers, ils sont déjà à combien? Ça doit être effrayant. 10 points, PSV. Bah, PSV, il n'y a que moi qui ai fait un nul contre eux. C'est Marseille qui est deuxième. En vrai, les gars, je suis qu'à 3 points de Marseille. Hein. Tout le monde est en galère, en fait, il n'y a que le PSV qui déroule. Hein. C'est la coupe, là, les gars. Il nous faut de l'oseille. Si on peut faire un parcours en coupe, c'est beau. Oh, il n'y a pas Forlan. Eux, ils font tourner Forlan et tout. Allez, hein. Non, mais les gars, le 4-3-3, ça va mieux ces derniers temps. Je me crée des occasions, donc on va continuer un peu avec ça. Hein. Oh. Non, Ben Arfa, t'es sur ton bon pied. Mais ça s'envole trop vite. Pourtant, il est flèche orange. Je la voyais dedans, là. Putain, j'ai pas de chance. Mais non, j'ai appuyé à peine, les gars. C'est que ça s'envole vite parce qu'il a pas beaucoup en finition. C'est pour ça. L'ordi, il est trop fort. Mais c'est quoi ce tac qu'il arrive à faire? Mais regardez, regardez. Déjà, au début, il me rentre dedans pour m'empêcher. Regardez le tac derrière. L'ordi, c'est grave. J'aurais dû contrôler. C'était avec Messi en plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qu'il faisait là? J'ai paniqué, j'ai tiré direct. Pourquoi il y avait 3 minutes? Il y avait beaucoup d'arrêts de jeu là. Normalement, il n'y a pas 3 minutes à la mi-temps, c'est rare. Non. Mais arrête, l'angle il est impossible. Et l'autre il laisse 10 minutes d'arrêt de jeu. L'angle il est impossible là, comment il marque? Oh, vas-y. Il y a un coup à jouer. Oh la vieille passe. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, franchement. La vérité, j'ai rien à me reprocher. Hein. Je fais un bon match encore, comme les derniers matchs. J'ai juste zéro chance. Le seul truc, c'est que j'aurais peut-être pu éviter le but, quoi. Mais il aurait dû siffler la mi-temps depuis 10 heures, l'autre. Putain, faut qu'on gagne celui-là. Hein. Mais bon, on n'a pas de chance aux flèches. Il nous faut 4 points, là, sur les deux matchs de championnat. Là. Les maillots, ça me saoule un peu. Oh, je peux pas appeler mes joueurs, en plus. Heureusement que je place 3 joueurs devant, comment il avait effacé le goal. Regardez, j'ai réussi à placer les joueurs quand même. C'est moi qui sauve le truc, mais c'est un miracle. Ils sont en place là, Dortmund. Hein. Pour le moment, ils vont me casser les couilles. Hein. Babel. Non, mais non, mais qu'est-ce que tu... Mais non. Je peux pas faire plus. Mais non, mais j'ai envie de crever, j'en ai marre. Pop, les gars, j'en ai marre, j'en peux plus. Putain, mais je l'avais pas vu, il était tout seul. Je croyais que c'était un joueur Dortmund. Je l'ai pas vu, il y en a un qui était tout seul, non? Putain, c'est relou quand il laisse passer la balle. Ah, franchement, les gars, j'ai envie de tout casser. Entre le match d'avant, le poteau à la fin, là, les deux occasions que j'ai, dont l'occasion de taré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux? Franchement, j'ai pas le droit au bonheur. Je peux pas avoir un peu de réussite, un peu de truc. Tac, merci. Babel. Je voulais faire la passe en bas, il était tout seul, Ribéry, pour faire comme tout à l'heure, mais il l'a trop poussé, Babel. Putain. Messi ou Babel? J'ai fait un lob. J'ai fait un lob, mais j'ai eu de la réussite. Je voulais la donner à Messi, mais au moins enfin un peu de réussite. J'ai fait le lob parfait. Merci Babel. Putain, il fait la même célébration que moi. Allez, solide maintenant. Hey, Babel, les gars, il n'y a que lui. Hein. Lui, il peut prendre la profondeur. Il est puissant, il est trop fort. Allez, allez, allez. Maintenant, faut tenir. Il y a des boulevards là. Hein. Ils sont en train d'attaquer du coup. Non! Non, j'aurais peut-être dû dribbler le goal. Mais il est trop fort, ma belle. J'aurais peut-être dû dribbler le goal. Non. On va la regretter, celle-là. Aïe, aïe, aïe. Non. Rosicky, elle est mine qui met l'ordi. Je la voyais dedans. L'ordi rigole zéro. Oh.
Mérité, on a fait l'un de nos meilleurs matchs. On recolle les amis, putain, puis on prend des thunes, ça fait du bien. Toujours invaincu en 5 matchs. On gagne le prochain, les gars, on est podium. Hein. Les gars, vous pouvez screen. J'ai jamais été aussi haut au classement. On est vraiment à un point de l'Atletico, là. Avec une victoire, on est podium. Bon, après, c'est serré. Hein. Au moins nul, hein, faut faire, hein, de toute façon. Putain, ils font des erreurs, hein. L'op. Ben non, l'op pied droit Mitea, c'est compliqué quoi. Putain, genre, tu vois là, si j'avais eu Babel, j'aurais allumé en croisé. Mitea, il est gaucher, je t'entends. Là. Fais n'importe quoi. Vas-y, Léo. Bien vu. Allez. Oh là là, il était beau le centre, putain. J'ai l'impression que les centres en revenant un peu en arrière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, ils sont dangereux parce que ça fait des centres un peu plongeants vers le but. Mais si. Babel, c'est ton moment. La vieille frappe. Vamos, je t'ai dit que c'était ton moment. Le coaching parfait sur la passe du côté. J'ai tiré sans contrôle, j'ai tenté parce que les autres revenaient. Mais la frappe, je sais pas, elle est écrasée, non? Ben Arfa, je tire pas, je fais la passe dans la surface. Première fois qu'on met deux buts dans un match. Vamos, Babel, il est dégueulasse le but, on s'en tape. Bon, première fois, les gars. Non. Heureusement, je sors le goal, putain. Ah, faut la prendre, là. Non, non, le contrôle raté, non. Putain, c'est pas fini, mais c'est dégueulasse. Putain, c'est pas fini. Oh là là là. Vas-y, je me suis déconcentré, là. T'as deux victoires de suite. On prend tellement d'oseille, en plus. On va pouvoir faire un vrai mercato d'hiver. Hein. Ah, puis là, les joueurs, allez, ils prennent tous un peu de level petit à petit. Parce que là, l'XP, c'est pas la même quand tu gagnes. Hein. Putain. Ah, mais donc là, c'est semaine de coupe. Mais attends, je comprends pas. Donc là, mes joueurs vont se reposer. Ils vont être à 100%. Je joue pas la semaine 14, on est d'accord. Ah, c'est un aller-retour, Villarreal. Ah, mais je suis pas éliminé. En plus, il y a pas le but à l'extérieur qui compte double. Ah, attendez, on n'est pas éliminé. Hein. Prends mes excès cet hiver. Bah, en vrai, on aura un peu de budget. Là, si on continue comme ça, on aura un peu de thunes. Parce qu'on sera à la mi-saison, on pourra sans être game over. Parce qu'on partira du principe qu'on gagnera. Aura des thunes et tout, donc. Oh, les passes, ils font pas d'effort. Oh, coupe ça. Mais je fais rien, c'est eux qui font faute à Chouaïni. J'avais allumé direct, ça partait bien. Il est bien. Elle passe pas si loin, hein. Franchement, putain. Oh, c'était pas pour lui. Putain, j'étais sur mon bon pied et tout. J'ai tout bien fait, là. J'avais l'espace pour tirer et tout. Oh, Léo. On l'a bien vu. Le contrôle. Il est tout seul? Ah mais c'est Messi pied droit, non, j'aurais dribblé le goal sinon. Enfin j'aurais tenté un truc, j'avais pas vu que c'était Messi pied droit vu que je l'ai trouvé à gauche. J'ai laissé passer ma chance. C'est bon. Ils gardent bien la balle là, ils font tourner les chiens. J'ai refait le lob. Je l'avais bien fait le lob. Ma parole, c'est ce qu'il fallait faire. Franchement, j'ai aucun regret. C'était le lob. Le gardien, il a pas plongé. Il s'est pas fait avoir. Mais je l'avais bien fait. Hein. Oh, c'est pas grave. On va se focus sur le championnat. La coupe en D2, on a rien à foutre. Atletico, je sais pas combien ils sont, mais. On a 2 points d'avant. Atletico, ils sont à 2 points derrière moi. Faut absolument pas perdre. Eh, si on gagne ce match, ça fera 3 victoires, 3 matchs de championnat quand même. Il y a qu'en coupe, on n'a pas gagné pour le moment. Mais si. Non, mais prends-la! J'avais fait un rond, là, au lieu du LBY pour que ce soit moins dans la profondeur, mais il était parfait, le centre! Non. T'as sur les coups francs, l'ordi est trop fort. Tu le vois, ils viennent de première division, quand même, hein. Non. Non, pourquoi mon joueur, il était déjà au sol? Là, tu vois, c'est le seul match où on se fait dominer pour le moment, aujourd'hui. Vas-y. En haut. Elle est belle. Je tire direct. Messi. Tire. Non, mais j'en ai marre des poteaux.
Oh, la vieille frappe, je tentais une frappe directe, je sais, Schweinsteiger. Y'a quoi? Penalty? Bah oui, bien sûr! Mais bien sûr! C'est un rouge là, normalement! Mais wesh, il s'est passé quoi? C'est pas... Attendez, je vais le rater. C'est moi qui ai fait faute limite, y'a rien! Pour une fois! Attendez, parce que avec les joueurs que j'ai, c'est pas rendu. Le goal, il allait plonger du bon côté. Famos, Babel, il a allumé le but. Je croyais que le goal allait le sortir. Oh, la mine qu'il a mise, qu'il a 88 ou en puissance tir ou je sais pas quoi. Il a mis une mine. Ils sont pas bien, il est parti. Je l'ai vu. Il a mis 10 heures à tirer, il s'est pris un vieux coup de physique. Oh là 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 là. Oh là là, mais je la voyais tellement dedans, vu que c'était Ben Arfa, il venait de rentrer, pied gauche, j'ai tenté, elle était belle, hein. Oh là là là, mais je la voyais mais dedans, mais fois mille. C'est la panique sur les dernières minutes, hein. Non. S'il te plaît, garde la balle un peu. On peut plus. Non. Non. Oh là 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 là. Dégage ça, putain, mais on peut plus rien faire. Ouh. Viens pas me gêner. Vamos. Oh là, c'était la panique à la fin. Je pouvais plus toucher une balle. Vamos. 3 wins d'affilée. Tu vois le classement? Ben là, on a mis 5 points. Attends, on a 6400 déjà. On est à la mi-saison. On a 3 points d'avance sur Marseille. Eh, hey, le PSV, les gars, ils ont gagné tous leurs matchs, sauf contre moi, match nul. Ils ont tapé tout le monde.